Larcan et donne son premier concert à l'école. Sa rencontre avec Maurice Larchange marquera une étape importante de sa vie. En 87, Domi et Maureen enregistrent son premier disque et en 90, à l'âge de 15 ans, elle remporte le titre de championne du monde. Depuis, elle sillonne les routes de France et de l'étranger, accompagnée de son orchestre et du chanteur Marc Pascal. Et sous les applaudissements de nos amis au Clos de la Source à M, notre sympathique Domi et Maureen, olé, Miguel! Ça mérite des applaudissements. L'inimitable Domi et Maureen dans une forme exceptionnelle. Bonjour Domi, ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Je sais qu'on a du mal à la voir, elle est très 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 prise. Alors l'actualité de Domi et Maureen, c'est quoi actuellement ? Qu'est-ce qui se passe ? Toujours la même chose, des concerts avec le duo Varimoscou, des balles avec mon orchestre, avec Marc Pascal, et puis quelques projets un peu plus originaux. Des concerts avec un orchestre symphonique, avec Roman Jbanov, donc oui. La musique un peu plus contemporaine. En France, les concerts ? En France, oui. Il y a une tournée dans le Nord, il y a une tournée sur Paris, mais bon, je ne sais pas encore le lieu exact. Fin d'année et début d'année 2000. Parfait. Un nouveau CD, préparation ? On y pense, avec Roman en duo, et puis un en solo également, en projet. Et puis Domi est la reine des concours d'accordéon, puisque... Alors, combien de titres ? Allons-y. Profitons-en. Eh bien, j'ai les trois principaux en variété, donc Lingenthal, le trophée, la coupe. Oui. Coupe du monde et le trophée mondial, évidemment. Voilà, pardon. Préciser. Et j'ai gagné cette année le concours de Lingenthal en classique. Et puis je prépare le trophée mondial, la coupe mondiale et mon dragon. Encore, voilà. Quel courage. On l'applaudit très fort. Hein. Merci.